Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Nous sommes aujourd'hui samedi 7 décembre au village Fichanke où nous avons été sollicités par cette population pour descendre toucher de doigt la réalité qu'elle vit. Voilà donc l'eau de la rivière que cette population utilise pour boire, pour faire la lessive, pour préparer. Et cette eau n'est pas potable, wallahi. Nous sommes ici en présence du chef du village Fichanke que nous allons interviewer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc présentez-vous. Assalamu alaikum. Je m'appelle Issa, chef du village de Fichanke. Alhamdoulilah. Le village Fichanke compte combien d'habitants? Le village Fichanke compte 12 000 habitants. Et ces 12 000 habitants puisent l'eau où? Ces 12 000 habitants puisent cette eau. Et l'eau de la rivière que nous voyons, il n'est pas potable, il n'est pas propre. Donc vous buvez ça, vous n'avez pas de maladie quand vous buvez? On est obligé de boire cette eau parce qu'on n'a pas de puits d'eau ici. Subhanallah. Et ces 12 000 habitants sont divisés en combien de petits villages? Ces 12 000 habitants comprennent 4 villages. D'accord. Donc ça veut dire que dans tous ces 4 villages qui est dans Fichanke, donc puiser l'eau, ils puisent l'eau toujours ici. C'était rivière. Et quelles sont les maladies qu'on rencontre quand vous buvez cette eau? Parce que pour nous, quand on voit cette eau, on sent qu'il n'est pas potable. Cette eau nous donne des fièvres, de tous, de beaucoup de maladies. Alhamdoulilah. Et qu'est-ce que vous demandez donc à vos frères musulmans dans le monde? Nous vous prions de bien vouloir nous faire des puits d'eau. Alhamdoulilah. Parce qu'on a manqué des eaux potables. Alhamdoulilah. Voilà donc l'état de cette eau. Donc, l'un des riverains du village va donc nous présenter, avant donc de boire, s'il vous plaît, donc venez de présenter nous un peu la qualité de l'eau. Voilà donc l'état de cette eau. Donc voilà donc l'état de l'eau que la population de Fichanke consomme et ils sont obligés. Vous allez donc voir comment dans le riverain lui-même il boit, étant même fier, ils sont dépassés. Alhamdoulilah, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que vous soyez dans la cause à cette population de Fichanke à avoir un puits d'eau qui puisse donc améliorer leur quotidien. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.